Hey, salut à tous les amis, c'est Lordjoublé, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur CitizXL Platinum. J'allais dire 2012, mais faut que j'arrive à faire... à passer outre le 2012, puisqu'on est sur Platinum maintenant, mais bon, ça ne change pas grand-chose, comme vous le savez, c'est toujours aussi merdique. Non, je déconne, enfin, si, dans un sens, c'est merdique. Donc, alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué, moi, oulala. Il va falloir que je me remette dans le bain. Alors, j'avais téléchargé la... Enfin, j'avais pas téléchargé le mode Highway la dernière fois, donc je l'ai fait. Voilà, ça m'a pris 2 secondes, vous voyez. Donc là, on a toujours nos autoroutes à l'européenne, avec plusieurs types de voies, 3 voies, 4 voies, 2 voies, enfin bref, tout. Plus les sorties qui se trouvent juste en dessous, connecteur d'autoroute, et là, on a vraiment le choix. Alors, je sais pas si vous en souvenez, mais là, on va pouvoir faire vraiment pas mal de trucs. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a vraiment des trucs sympas, hein. Ils ont essayé de reproduire à l'identique. Par contre, je pense... Alors, voilà. Je pense que dans cette ville, on va utiliser les autoroutes de base, pour l'instant. Parce qu'en fait, j'étais pas super optimisé niveau construction autoroutière dans ma première, on va dire, première saison. On va d'abord expérimenter avec de vraies autoroutes pour voir... Pour voir si on arrive à faire un truc potable pour mettre des vrais connecteurs et pas des trucs faits en 2 secondes, faire l'arrache. Va falloir que je m'entraîne là-dessus d'ailleurs, à faire avec les autoroutes modées, faire de vrais échangeurs routiers, c'est-à-dire avec des boucles, et puis en l'air, enfin vous voyez quoi, avec des... en hauteur, avec une autoroute qui passe en dessous, un pont, bref, enfin que des trucs comme ça. Un truc assez compliqué à faire finalement. Donc pour l'instant, on va se cantonner au l'autoroute de base, comme ça, on va faire ça. Mais pour l'instant, on n'a peut-être pas trop les moyens et c'est pas très utile de faire une autoroute pour le peu d'habitants qu'on est. On va faire une... Oula. J'avais pas pensé, on va faire une route qui passe là. Voilà, comme ça, ça traverse bien. Je réfléchis. Non, c'est bon. On va continuer à étendre cette zone-là. Et puis, ouais, bon, par contre, je m'excuse sincèrement pour les bugs. C'est vraiment relou. Il n'y a pas d'autre mot, c'est relou. Et le chômage frappe les travailleurs déjà. Ok, bon, ça veut dire qu'il faut de l'industrie. Et je le rappelle, je suis toujours en mode expert. Ce qui veut dire que j'ai accès à tous les bâtiments tout de suite et que j'ai pas besoin de débloquer les espèces d'achievement. Alors là, par contre, qu'est-ce qu'il me fait? Non, il me faut une route au road bike. Road bike, voilà. Oui, parce qu'il y a toujours les vélos et j'arrête pas de dire toujours. Ça va permettre de régler un peu le chômage. Oula. Voilà, donc une belle zone industrielle. On va essayer de limiter tout ce qui est industrie densité 1. On va plutôt se concentrer sur les manufactures, sur tout ce qui est manufacture, industrie high-tech. Et surtout industrie lourde niveau 2-3. Hein. Niveau 1, on en met juste pour commencer. Mais après, ce sera vraiment dans l'industrie lourde. Hein. Pas de l'industrie pour les petites lopettes, là. Hein. Attention. J'avais déjà mis des services de santé... Apparemment, j'avais mis une ou deux, je crois, cliniques médicales, une seule. On avait commencé à développer les champs. D'ailleurs, je vais juste pour voir. Ouais, on a toute cette zone favorable à l'agriculture. Eh ben, on va la développer. Vous savez quoi, hein? Parce que agroalimentaire, bon, c'est assez utile. On va faire ça maintenant, comme ça, ça leur fera du boulot. On va prendre au hasard. Voilà, on va faire ça comme ça. Tac. Alors, je sais que ça va pas être super intéressant. Mais bon, là on va essayer de passer à la vitesse supérieure. On va vraiment agrandir la politique d'urbanisation. Ça, je suis sûr que je viens de remettre la même chose. Non, même pas. Alors, ah, j'ai fait un truc un peu merdique. C'est pas grave, ici on mettra des silos qui permettent une production largement accrue. Hop. Voilà, ça c'est parfait. On en remet un comme ça. On essaie de vraiment voilà, suivre la zone fertile.
Ça, je viens de le mettre. On va plutôt remettre ça. Bon, là, perso, je fais pas vraiment attention aux cultures que je mets, puisque c'est... Enfin, c'est dommage, ça aurait pu avoir une importance si les développeurs avaient développé ce côté du jeu. Ça aurait pu le faire. Enfin, je veux dire... Vous voyez, parce que zone agricole, surface agricole. Ah, mais non! Normalement... Il me semblait qu'il y avait... Ah oui, voilà, c'est ça. Non, c'est écrit au-dessus. Élevage de bétail, zone agricole, agriculture légumière, céréalière, maraîchère. Voilà. C'est parfait. Par contre, on va essayer d'effleurer la route. Voilà. On... Tac. J'essaie de faire ça plutôt rapidement, histoire que... Voilà. On passe à autre chose. Quoi, c'est plutôt à de l'urbanisation pure. Truc... un peu plus intéressant. On va essayer de développer un réseau de routes. On arrivera rapidement aussi à développer un réseau de tramway. Parce qu'il y a toujours les trams, je vous rappelle. Il y a aussi les ferries, mais oui, et un réseau de ferries, voilà, pour le coup. Et des ports aussi. On va développer aussi une grande zone de un grand port ici, vous voyez. Et peut-être là, ou d'ici, un réseau de ferries. Alors on va essayer d'organiser ça entre les différentes parcelles de terrain. Que dispose la map. Vous voyez, ici, on desservira ici la zone industrielle, la zone high-tech, où il y aura des habitations, et la zone, on va dire, campagnarde, hein, là où il y a la brousse, quoi. Par contre, je pense... Désolé, ça c'était mon Skype, j'aurais dû l'enlever. Bureau. Je pense qu'il n'y a pas assez de bureaux là. Alors, par contre, faut pas que je fasse de conneries. Là, c'était des petites routes. Ouais, vaut mieux garder. Tac. Small road. Non. Small road bike. Small road bike. Voilà. Toujours avec piste cyclable. Voilà. On rajoute quelques zones de bureaux. On fait ça tranquillou. Par contre, essayons de faire. Pas des. Des formes biche-cornues. Qui n'est pas vraiment de chance. Alors, j'ai juste oublié quelque chose. Les petits silos. Quoi? Ah oui, non, si. C'est quoi ça? Silo. 30%. Oh. Il nous faut 5 silos. D'accord, et ça c'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est de l'engrais. Donc il nous faut 5 silos. Ok, je peux plus en construire. J'ai 2 silos. Bon, normalement, on a dû largement accroître la production. On va voir ce qu'on peut exporter. Omnicorp pour l'instant, puisqu'il n'y a que cette ville. Il va falloir rapidement que j'en construise une autre. Agroalimentaire, vous voyez, on a 7 tokens en excédent. Par contre, il va falloir que je fasse attention pour ce qui est eau. On exporte déjà industrie lourde. Bureau, par contre, c'est chaud, je vais devoir en rajouter. Par contre, agroalimentaire, là, on peut vraiment se faire plaisir. Voilà, donc déjà 8 tokens exportés. On va vite réagir en ce qui concerne l'eau. C'est important, l'eau. Alors, château d'eau, ça m'étonne pas, tout vraiment au bord. Le petit château d'eau. On va essayer d'en mettre. Tac. Ah là, vous voyez, ça me bouffe une grosse zone. Par contre, ça vaut très cher, hein. Et je gagne 28 000. Vous voyez comment l'agroalimentaire, ça rapporte. Bon, au niveau eau, ça devrait suffire. On va vite voir. Niveau balance des ressources. Manufacture, va falloir que vraiment je fasse de la manufacture. Le pétrole va bientôt manquer. Par contre, en ce qui concerne le pétrole, ça va être vraiment urgent de faire une nouvelle ville. Je ferai une ville rien que pour ça. On prendra une ville dans le désert pour faire vraiment que de la production de pétrole. Mais la ville ne vivra que de ça. Il y aura très peu d'habitations. Mais que du pétrole pour fournir la ville en carburant qui en aura vraiment besoin. La manufacture, ça, on va s'en charger dans la zone industrielle. Par contre, oh, c'est bon, on a réussi à redresser. Traitement des déchets, faut que je fasse très très attention. On ne gagne plus que 20 000, vous voyez, ça m'a coûté très cher l'eau. 8 000. On va tout de suite se faire une zone de déchets parce que sinon on va être très vite dépassé. Et pareil, on fera une ville qui accueillera ce. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le boulet! J'ai mis une zone résidentielle. Oh là là, alors ça, vous voyez, c'est complètement stupide. Pète-moi ça là. Détruis-moi ça, ça aussi. Oh, mais je suis vraiment stupide. J'ai foutu des habitations au lieu de foutu une zone industrielle. Voilà, ça me fait perdre des mecs, mais c'est pas grave. Barre-toi là! Voilà. Va-t'en! Je ne veux pas de toi! Eh, ça m'a remué les petites routes.
Pourtant, j'avais bien pris le. C'est bizarre. Road bike, c'est bizarre. Je trouvais pas. Ok, bon, cette fois, on va pas faire la même connerie. Allez, on industrialise un petit peu le terrain. Ça va nous rapporter de l'argent. On va aussi installer une petite zone de manufacture. On va y aller léger, hein, niveau zone manufacture. On mélange un petit peu. Mais on va faire vraiment un côté manufacture après. Voilà, alors là, j'ai investi dans l'industrie pour finalement favoriser l'emploi et bien sûr les revenus au bout d'un moment. Par contre, là, le truc le plus urgent maintenant, c'est de d'augmenter la population, quoi. Clairement, la politique d'urbanisation. Bon, on va faire ça vraiment grand, hein. Voilà. Là, faut que ça y aille, hein. On va rajouter aussi des travailleurs. Vous voyez, ça lag toujours autant. Des travailleurs qualifiés. Oh là là, mais qu'est-ce qui rame? Je suis à 5 FPS, vous imaginez? Par contre, ça va pas très bien pour l'industrie, attention. Il va nous falloir des magasins. Parce que là, je suis en train de développer, mais voilà, zone commerciale. Toujours des zones commerciales au milieu. Il va falloir que je pense aux services publics aussi. Tout ce qui est école, soins, police. Parce qu'on va vite être dépassé. On va d'ailleurs aller jeter un petit coup d'œil en ce qui concerne ben, ces services-là. Voilà, c'est parfait. Alors, allons jeter un coup d'œil aux indicateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Putain, va-t'en! Ah, manque de tokens de agroalimentaire. Ah. Putain, on gagne 30 000, là c'est bien. On va essayer d'engranger un max de fric. Ouais, Omnicorp, t'es 14%. Alors qu'est-ce qui va pas? Usine, satisfaction générale de 30%. Mais oh, il est chiant lui. Chaque fois que j'ai. Ok. La ville ne compte aucune industrie de haute technologie. Il n'y a pas assez de travailleurs pour les manufactures. Ah oui. D'accord. Alors eux, ils demandent travailleurs qualifiés. Ok, j'avais complètement zappé. Manufacture, ça demande déjà un niveau de qualification supérieur. Alors on va ralentir juste un tout petit peu le temps. C'est le moment de sortir les travailleurs qualifiés. Pour l'instant, on reste sur de la densité 1. Putain, mais oh, c'est juste pas permis. Ça lag trop, quoi. C'est juste. En fait, je suis vraiment stupide. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pas tourné avec OBS. Là, je tourne avec Action. Mais c'est une erreur, hein. Clairement, là, c'est une grave erreur. Voilà. Des beaux quartiers. Par contre, je vais faire direct ce que j'avais dit juste avant. Alors, population, satisfaction. Alors, déjà, service public. Ouais, d'accord, non, c'est pas ça. Service de santé. Ok, alors, l'aile gauche et l'aile droite sont complètement pas desservies par la santé. On va mettre une petite clinique, encore une clinique là. Là, c'est un champ. Et on va se faire une clinique là. Et on va observer. Merde. On va observer en direct. Voir ce que ça change. Ici, donc c'est très bien desservi, apparemment. Et là, j'espère que ça. Ouais, j'ai pas l'impression que ça. Et pourtant, je vous ai foutu une. Bon, si ça a l'air de s'améliorer. Ça s'améliore, mais petit à petit. Éducation, bon, alors là, c'est complètement dans le rouge. Parce que éducation, j'ai absolument pas. Tac. On va mettre une école. Merde. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Une école à côté de la clinique. Va falloir vraiment. Ouais. Éducation, c'est important. Bon, ils ont l'air d'être satisfaits. À part ici, bon, si ça s'améliore. Et surtout, les loisirs. Parce que les loisirs, vous allez voir, on va en chier avec les loisirs. Oh, simulateur de. Ils ont rajouté quelques bâtiments. Voilà, centre de quad, cours de tennis. Ouais, c'est sympa. Ils ont rajouté des petits bâtiments. Voilà, sympa. On va rajouter des petits terrains de basket à côté des écoles. On va en foutre un petit paquet, voilà. Ça va, ça coûte pas très cher. On peut se le permettre.
Voilà. Ok, bon, déjà, ça peut aller. On gagne plutôt pas mal. On va voir si la situation niveau 1. Oh putain, entreprise là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Il n'y a pas assez de travailleurs. Aucun salarié. Attendez. Bureau. Il n'y a pas assez de bureaux déjà. Et le carburant va bientôt manquer. Quand je pense que ce que je ferai, c'est que de mon côté, je commencerai une ville pétrolière. Électricité aussi. Ah oui, merde. Ça, faut pas que j'oublie. Vous voyez, on a vraiment tout à faire. Hein. C'est là que ce jeu est dur. Putain, je tourne à 11 FPS. Là, c'est juste horrible. La prochaine fois, je prendrai OBS. Hein. Bon, par contre, on va pas faire les écolos hein, ici. Tac, voilà. Là, je casse le porte-monnaie. Deux petites centrales électriques ce qui a complètement réduit mes recettes. Pour alors attendez, je sais plus ce que je voulais faire. Ils m'ont dit oui, des travailleurs. Il n'y a pas assez de travailleurs, pas du tout assez de travailleurs. Alors ça, va falloir vite que ça change. Là, je vous dis, on va y aller niveau investissement investissement résidentiel. Voilà, je cherchais le mot. Oh, j'ai fait un petit triangle sans le vouloir. Sympa ça. Par contre là je fais pas du tout niveau style. Et j'arrête pas de dire pas du tout, ça m'énerve. On fait vraiment style européen. Il n'y a pas de route carrée, pas de quadrillage. Vraiment que de la courbe. Tout en courbe ou en parallélépipède, rectangle, octogone. Oh, je sais même pas ce que je dis. Oh là là. Voilà, avec ça ils devraient être contents. Les habitants sont victimes de rationnement. Alors dans ce cas-là... Ça veut dire... Attendez, il manque un truc là. Frais de passager. Non, pas... Bureau, bureau, bureau. Allez, bureau, ça va pas. Bureau, bureau, ça va pas. Il faut que je fasse du bureau. Juste avant, on va faire du bureau. Petite zone... À côté des champs, ça le fait. Hein. Voilà. Ça, ils vont être satisfaits. J'espère que... Là, ils ont de quoi embaucher. Donc, qu'est-ce que... Oui, rationnement. Ça veut dire magasin. Magasin, magasin. Ça veut dire que la demande est supérieure à l'offre. J'espère sincèrement pas dire de conneries. Ça me ferait peur si j'en disais. S'ennuie. Ouais, bon, par contre, vous voyez, les loisirs, on va vraiment chier avec eux. On met ça. Ça me coûte cher les loisirs, hein. Faut pas croire, mais on va mettre des bowling. Ouais, ça va me coûter vraiment, vraiment cher cette histoire. Sachant que ouais, les bowling, enfin tout ce qui est loisirs, éducation, santé, ça, au bout d'un moment, vous allez vraiment le sentir dans les recettes. Vos dépenses augmenteront. Beaucoup plus rapidement que vos recettes. Bon, ici, la zone industrielle se porte à merveille. Je vais juste aller voir en transport, en ce qui concerne les bateaux. Alors, bateau, 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 je ne sais pas du tout où c'est. Compagnie. Alors, ça, c'est les compagnies de métro. Compagnie de ferry. Ferry, voilà. Mais c'est pas ça que je veux. Ah, voilà. Alors, un petit port. Pour l'instant, c'est un petit port maritime. Ça, c'est quoi? Port maritime. Ça, c'est quoi? Port maritime. Alors là, on a le petit port maritime. On va bientôt construire, ça vaut... Ah! D'accord, mais c'est cher. Et on plafonne à 2 millions. Sympa, ça. Alors, qu'est-ce qu'il leur faut déjà? Travailleurs qualifiés, électricité. Électricité, pourtant, voilà, quoi. Hein. Réservoir d'eau. On va mettre un réservoir d'eau. On va pas le mettre là, le réservoir d'eau. Réservoir d'eau, on va le mettre là. Voilà. L'insécurité règne. Bah ça commence. On va s'occuper de la sécurité. J'ai trop de choses à faire. L'insécurité règne. On va mettre des petits postes. On met tout à côté hein, en ce qui concerne les services publics. Sécurité règne. Vous allez voir si l'insécurité va régner longtemps avec moi. Dictature, couvre-feu, coucher à 20h. Et vous voyez, hop, problème d'insécurité réglé.
Voilà. Comment on règle un problème. Et donc, ils étaient déjà en panne d'embauche, nos amis les manufactures. On va vite aussi faire aller surveiller la production de tokens. Parce que là, je crois qu'on a de quoi vendre et de se faire pas mal d'argent. Voilà. Je vous offre des travailleurs, servez-vous-en. Voyez, voyez, voyez. Bon, pour l'instant, ça va. J'arrête pas de gagner des trophées. Ok, j'ai réglé ce problème de chômage. C'est parfait. Échanger. Alors, j'exporte quand même. Alors, on va pouvoir vendre, exporter encore un token supplémentaire en industrie lourde. Ça rapporte pas mal des travailleurs. Je peux exporter des passagers. Par contre, je vais importer du carburant. Pour l'instant, on est obligé. Bureau, ouais, bureau, ça va pas. Faut vraiment que j'augmente les bureaux. Agroalimentaire, on a baissé. Et je peux exporter de l'eau. Je sais pas si ça va être vraiment très utile. Bon. Ça va. Les habitants sont victimes du rationnement. Ah, ça veut dire manquons de magasins. Ouais, pourtant, si t'en mets trop les magasins, après, ça sert plus à rien. Ah oui, c'est là, oui. Oui, effectivement. Bon, là, il y a quand même une différence entre trop et pas du tout. Bon. La petite zone commerciale. Il n'y avait qu'à demander. Ouais, donc c'est bien ça, hein. C'est quand la demande est supérieure à l'offre qu'on peut parler de rationnement. Oui, bureau. Bureau, bureau, bureau. Bon, le début, c'est toujours assez calme, mais c'est quand vous ramenez les élites, les managers et toutes ces conneries que ça commence à devenir compliqué. Alors là, on va faire un petit bandeau de bureau. Voilà, bon ça devrait suffire largement. En fait, tout est lié, hein. C'est ça qui est assez marrant. On va regarder un peu se développer. Encore, token de pétrole, j'importe. C'est ça qui est marrant. Avec CitizXL, vous amenez des travailleurs, vous avez besoin de leur donner du travail, vous faites dans l'industrie, l'industrie a besoin d'autres travailleurs, et elle a besoin de ressources, les ressources vous les produisez, mais ces ressources que vous produisez produisent d'autres effets. Enfin voilà, tout est lié. Et, en fait, ce qui fait que, comme il disait dans la notice du jeu, une ville ne peut être autosuffisante. Enfin, sauf si vous installez des bottes comme moi, vous mettez toutes les ressources. Mais bon, là, voilà, techniquement, c'est pas possible. Mais voilà, une ville, c'est ça le principe du jeu. Une ville ne peut être autosuffisante et le but est d'en faire une multitude afin de créer beaucoup d'échanges, de faire de l'échange, quoi. Et que chacune des villes s'entraide et puisse se développer grâce aux autres. Et c'est ça que je trouve bien dans le jeu. Si seulement elle était pas optimisée avec les pieds, vous vous rendez compte, j'ai un ordi ultra puissant, je le fais tourner à 17 FPS. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Là, je suis désolé pour la qualité fluidité, ça va pas être le top, hein. Là, je suis vraiment con, j'aurais dû filmer avec OBS. C'est vraiment stupide de ma part. Bon, ça nous empêche pas de se rapprocher un peu. Les FPS. Non, les FPS sont horribles. Oh, c'est la merde, hein. Oh, putain. Ce jeu, quoi, il fonctionne qu'avec un cœur. Vous voyez, en gros, c'est ça le problème. Il a été codé pour fonctionner sur un cœur du processeur. Voilà. Et quand on connaît les technologies multicœurs d'aujourd'hui, voilà. Ça pose un petit problème, quoi. Mais bon, les développeurs n'ont pas l'air d'avoir envie de changer ça. Voilà. Je vais en profiter pour vous parler de du merde, du mur Facebook et de Twitter. Ils sont activés. Vous pouvez d'ores et déjà venir poster tout ce que vous voulez dessus. Je partage mes vidéos d'ailleurs sur ces deux plateformes. N'hésitez pas à aller voir, poster vos commentaires, vos critiques, tout ce que vous voulez. Pourquoi il a fait faillite lui? Victime d'une concurrence déloyale. Ah, la concurrence déloyale! Je peux rien y faire, moi. Hein. Et, par contre, ça va commencer à être un autre problème. Le trafic routier. Trafic routier, mes amis. Transport. Route. Trafic. Bon, ça va encore. Mais cette route est déjà bien, bien engorgée.
L'autoroute, ouais. L'autoroute sera la bienvenue. Non, par contre, tu m'enlèves ça, Michel, t'es gentil. Donc voilà, réseaux sociaux, c'est fait. Dorénavant, vous aurez les liens dans la description. Je crois que c'est ce que j'ai fait pour l'épisode. Le deuxième épisode sur le Seigneur des Anneaux. Normalement, vous allez voir. Voilà, vous pouvez y accéder facilement. Et c'est vrai qu'il manque de logements pour travailleurs qualifiés. Je passe toujours pas la densité 2 parce que j'ai pas envie. Je veux vraiment. Là, c'est vraiment campagne. Il n'y a pas vraiment d'immeubles. À la limite, pour les travailleurs non qualifiés, on pourra passer à la densité 2. C'est pas très grave. Mais pour les travailleurs qualifiés, pas encore. Ou en tout cas, pas dans cette zone. Qu'est-ce qu'il me fait? Carrefour trop complexe. Ah, décidément. Ah, qu'est-ce qu'il me veut encore? Ah là là, ces problèmes de route. Alors ça, comment je vais me prendre? Voilà! Voilà, c'est parfait. Sauf qu'ils en veulent encore. La faible densité n'apporte pas beaucoup. Voilà, et ça va. Vous voyez, là, je vais devoir reconstruire des magasins, d'autres services publics. Voilà, rationnement. Typiquement, là, il faut réagir vite. D'ailleurs, il va falloir leur donner de l'emploi. Enfin, va falloir ouais, donner un emploi plutôt. Leur donner du travail. Bon, ça risque de faire plaisir aux entreprises. Les bureaux risquent de manquer. Alors, j'ai dit que je faisais quoi? Oui, rationnement. Rationnement. Ça veut dire que ouais, les magasins. Rationnement. Ici, sont victimes de rationnement. Ouais, c'est un peu nul ce que je fais là. On va faire la petite place du marché là avec les petits magasins. Petit magasin le dimanche là. D'accord. Non, c'est bon, ça s'améliore. Par contre, ici vraiment. Là, on va faire la grosse zone commerciale. Et là, ça va plus non plus. Ok, bah, c'est bien de le dire. Voilà, c'est parfait. Bah, voyez. Oh, le 11 FPS. Wouh! On sent la vitesse là. Oh là là, avec les sauvegardes qui s'activent. Oh, c'est juste horrible. Non, Action, c'est vraiment pas fait pour filmer avec ce logiciel. Hein. Avec ce jeu, je veux dire. Je gagne 34 000. Je vais juste regarder frais de carburant. Ouais, carburant, industrie high-tech, on commence à manquer. Traitement des déchets. Et j'ai oublié de faire ça, moi. Traitement des déchets, en plus, je voulais le faire. On va faire ça à l'extérieur, près de l'eau. Ça, par contre, faut faire attention quand vous posez du traitement des déchets. Bon, voilà. Ça coûte très cher. Hein. On va rajouter un peu de manufacture. Non, on va passer à l'industrie lourde. Allez, ça devrait largement suffire. Alors, par contre, faut que je fasse attention. Qualifié, ouais. Non qualifié, qualifié. Je vais rajouter du qualifié. Service public, on va s'en occuper bientôt. Juste, je rajoute du travailleur. Vraiment, là. En fait, le clé de la croissance, hop. L'urbanisation, voilà quoi, il faut ramener des travailleurs qui cherchent un emploi, bien évidemment. Ces travailleurs peuvent être embauchés facilement dans le secteur industriel. Oh, ça rame. On fait du 5 FPS, les amis, quand même. Hein. Oui, aussi, je précise, je filme pas avec le Shadowplay. Parce que le Shadowplay. Eh ben je sais pas, il fait de la merde. Le Shadowplay décide de filmer en 1920 par 540. Et je ne sais absolument pas à quoi c'est dû. Voilà, donc résultat, je l'ai un petit peu dans le cul, j'arrive pas à régler le problème, donc je peux pas m'en servir. Ce qui me casse carrément les boules. Je le dis franchement. Je sais pas pourquoi, il a décidé de me faire chier. Bon, là, on n'a pas fait trop. Vraiment. Vous voyez, ça commence à. Non, ouais, là c'est injouable. Hein. Ouais, OBS ou faut faire quelque chose là. Ah, faut faire quelque chose. Mon Dieu, comment ça lag! D'ailleurs, c'est la fin de cet épisode, les amis. Tant mieux, hein. On va se laisser là.
Heureusement, non, parce que là, c'est un calvaire. Hein, c'est un calvaire. On va se foutre sur une zone qui bug pas trop. Non, mais tout, partout, ça bug. Donc, la prochaine fois, je trouverai une solution. OBS ou alors Shadowplay si j'arrive à résoudre le problème. Voilà. Donc, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à faire un petit tour sur Facebook et Twitter. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode sur CitizXL. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.